Benjamin Piel, vous souhaitez mettre en place, vous parliez tout à l'heure d'une maison de l'entreprise pour relancer en fait l'emploi et les commerces, c'est bien ça ? On peut dire ça comme ça, oui, tout à fait. Alors, la maison de l'entreprise pour l'emploi, ça servira à quoi ? Ça servira donc à la mairie d'avoir un regard direct sur ce qui se passe au niveau des entreprises. Elle permettra donc, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, de former sur les plans de la gestion, sur la comptabilité. Elle proposera également des formations au niveau des jeunes de l'ISE qui veulent se former, parce que bon, je pense qu'on va venir sur l'emploi dans très peu de temps. Au niveau de l'emploi, aujourd'hui, il y a énormément de jeunes à l'ISE qui ne sont pas formés. Cette maison d'entreprise fera, en plus de Pôle emploi et de la mission locale, car ils ne peuvent pas subvenir aux besoins de tout le monde, devront faciliter l'accès de la formation aux jeunes, mais aussi de la formation au niveau des professionnels et ceux qui souhaitent le devenir. Ça passera par ça, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Si on veut créer de l'emploi, il faut des entreprises. Voilà, c'est mécanique. Malheureusement, il y en a qui se leurrent un petit peu, mais voilà, ce sont les entreprises. Comme je l'ai dit, nous allons devoir retravailler la fiscalité sur la CFE, sur la taxe sur les enseignes, l'accessibilité de l'ISE au niveau des entreprises, favoriser les implantations, encourager donc à venir à l'ISE via des campagnes de communication, parce qu'on peut voir aujourd'hui en périphérie de l'ISE, à Glos par exemple, il y a l'usine Atos, à Beuvilliers, il y a énormément d'usines. Voilà, il faut les encourager à venir à l'ISE, et pour apporter des ressources naturellement financières, mais aussi au niveau de l'emploi. Alors, dans un deuxième temps, il faut aussi offrir aux jeunes, concernant l'emploi, il faut leur faciliter l'accès au permis de conduire, parce que ça, c'est un grand sujet au niveau de la jeunesse. Aujourd'hui, le permis de conduire, c'est un coût. Nous proposons à étendre l'aide du permis de conduire en échange de 80 heures de bénévolat dans les services d'aide à la personne aux jeunes qui souhaitent avoir une aide de 500 euros du permis de conduire. Nous proposons ça donc pour nos jeunes à l'ISE. De plus, il faudra développer également, donc, comme je l'ai dit, les boutiques test pour encourager les jeunes à se lancer dans l'entreprise, leur permettre d'avoir un essai de l'entreprise. Car tout à l'heure, j'ai oublié de le mentionner, mais dans la ville de Noyon, il y a plus de 80% de taux de réussite à la suite de la boutique test. Voilà, bah, écoutez, monsieur Denis, si les mesures sont bonnes, moi, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas les reprendre. Hein. Écoutez, hein, il faut être honnête, droit dans les bottes, je ne suis pas sectaire. Voilà, si les idées sont bonnes, elles sont bonnes, donc on les prend. Et voilà, donc nous travaillerons donc à ce niveau-là, au niveau de l'entreprise, parce que sans les entreprises, l'emploi, c'est très compliqué. Voilà. Très bien. Laurent Sodigny, vous souhaitez ajouter quelque chose ? Ouais, je pense que la problématique de l'emploi est une problématique absolument, très très forte dans la ville. Auparavant, nous parlions de l'attractivité, c'était faire de l'ISE une ville plus belle. Maintenant, on pourrait dire, c'est de faire de l'ISE une ville plus dynamique sur la question de l'emploi, avec un maire, je pense, davantage acteur qu'il n'est actuellement. J'ai l'impression que la municipalité subit la crise de l'emploi actuellement, mais qu'elle n'agit pas assez. Et elle a toujours tendance à considérer que c'est pas de sa faute. Saint-Gobain s'en va, ben c'est Saint-Gobain, etc. Mais moi, je pense que la mairie doit être davantage acteur. Le chômage à l'ISU est extrêmement important. On se réfugie derrière souvent les chiffres du bassin d'emploi. On dit c'est 10%, même chiffre qu'au niveau national, etc. Mais la réalité du chômage dans la ville, c'est qu'il y a près de 18% de la population active qui est au chômage. Il y a un vrai problème. C'est une ville qui avait un passé plutôt industriel, donc des gens qui n'étaient pas formés et qui avaient des emplois industriels, que l'on pouvait avoir au sortir des études, en quelque sorte, enfin, des premiers éléments d'études, mais qui n'étaient pas des études supérieures, il n'y avait pas de formation particulière. Et ces personnes, ouvriers agricoles, devenus industriels, maintenant, cette population-là est effectivement une vraie difficulté face à l'emploi, parce que les emplois d'aujourd'hui, ce sont des emplois de service, ce sont des emplois qualifiés. Et on a un vrai problème à l'ISE d'adaptabilité de la population aux problématiques de l'emploi de maintenant, l'adaptabilité des formations. Il y a pourtant d'ailleurs des formations qui sont extrêmement importantes, intéressantes, innovantes à l'ISE. Je pense, moi, qu'il faudrait faire travailler davantage tout ça, et que le maire doit être acteur moteur de tout ça. Le maire doit se mettre au centre, il doit être pivot. Je propose la création d'un conseil de l'emploi où le maire réunirait régulièrement autour de lui les chefs d'entreprise. Nous avons la chance à l'ISE d'avoir des chefs d'entreprise qui aiment leur territoire. Le président de la Chambre en est l'illustration, mais il y en a d'autres. Le président du GIL, le président du MEDEF est un lexovien. Tous ces gens-là aiment leur territoire. Nous avons des organismes de formation extrêmement réputés, compétents, qui sont parfois développés à l'ISE. Nous avons un lycée professionnel de première qualité. Il faut que ces acteurs... Nous avons un IUT qui a été amené par les mandats de Mme Roudy, dont parlait Monsieur Aubryl, qui est à côté de moi. Tous ces acteurs-là, il faut les faire travailler ensemble pour adapter les formations aux besoins des entreprises, détecter ce qu'elles ressentent comme étant des besoins immédiats et faire en sorte d'adapter des formations, les faire évoluer et les faire correspondre mieux
aux besoins. J'ajoute que il faut que la mairie soit proactive. Il y a des initiatives, par exemple, comme les emplois d'avenir que le gouvernement a pris, 100 000 emplois d'avenir créés au niveau national, payés à 75% par l'État, pour les collectivités, pour les associations. Combien croyez-vous que la ville de Lisieux en a pris ? Elle en a pris 4. Là où des villes de beaucoup plus petite importance en ont pris beaucoup plus. Voilà. Si on a des problématiques de difficultés d'emploi de nos jeunes, si on a des problématiques de jeunes qui ont du mal dont il faut mettre le pied à l'étrier, ben voilà des initiatives dont on pourrait se saisir et sur lesquelles on pourrait agir. Donc moi, je suis pour qu'on utilise toute la gamme des initiatives publiques existantes, bien sûr pour qu'on travaille avec les entreprises lexoviennes sur les marchés publics, que l'on développe les aspects dans les marchés publics liés aux emplois d'insertion pour les publics locaux. Et puis je suis, bien sûr, pour que la ville se mette acteur, moteur sur le terrain de l'emploi, en prenant des initiatives réelles, de réunions autour d'elle, de l'ensemble des acteurs, pour faire évoluer les formations en fonction de ce que les chefs d'entreprise ressentiront comme étant l'expression de leurs besoins. Très bien. Bernard Aubry, vous êtes plutôt favorable pour la création d'un télécentre pour les jeunes entreprises. Tout d'abord, quelle que soit la sensibilité d'un élu, c'est toujours l'emploi et le développement économique qui est sa priorité. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'intercommunalité, parce que je rappelle quand même que c'est une compétence des communautés de communes et non pas des villes, mais de toute façon on travaille en partenariat, donc il ne faut pas rejeter sur l'autre, pas du tout, au contraire, il faut travailler ensemble. Donc ce qu'il faut d'abord, c'est conforter l'existant. C'est ce que nous faisons à Lisieux, en réunissant une fois par trimestre les chefs d'entreprise des 20 plus grandes entreprises du bassin de Lisieux, où d'abord nous prenons le pouls un petit peu de ce qui se passe à Lisieux, et puis nous venons en aide à celles qui commencent à avoir des soucis. Je pense à Perurena, je pense à Sanofi dans le cadre de la généralisation du Doliprane. Et puis, il faut tout mettre en œuvre pour pouvoir accueillir les entreprises. Pour pouvoir accueillir les entreprises, c'est-à-dire qu'il faut avoir des terrains, des réserves foncières suffisamment importantes, déjà bien aménagées. C'est le cas pour nous avec la ZAC Léo Deglos. C'est aussi faciliter l'accueil des chefs d'entreprise. Plutôt qu'ils soient obligés en France d'aller d'abord taper aux portes de la CCI, puis du conseil régional, puis du conseil général, puis de la ville, puis même parfois de la sous-préfecture, mettre en place un guichet unique où il pourra trouver tous les renseignements, les dossiers qui sont nécessaires aujourd'hui pour commencer à travailler sur la mise en place d'une entreprise dans le lieu que l'on a choisi, mettre en place un guichet unique, une pépinière d'entreprise, un télécentre. Parce qu'aujourd'hui, si nous restions avec l'hôtel d'entreprise qui existe, chemin de l'Attillé, ce n'est pas une pépinière, c'est un hôtel d'entreprise. Et là, c'est la possibilité, une pépinière, d'accueillir des jeunes qui veulent se lancer pour créer une entreprise. Et puis, une fois qu'ils ont pris des habitudes, qu'ils se sont donné les moyens, ils quittent la pépinière et ils s'installent en un lieu qu'ils choisissent. Il faut donc aussi assurer la promotion du territoire. Ça veut dire être régulièrement présent sur les salons de l'immobilier d'entreprise. Mais quand je dit être présent, c'est pas la ville être présente, c'est pas l'intercom être présente, c'est pas la CCI être présente, c'est y être ensemble, de façon à être unis, parler d'une seule voix et donc d'avoir une place beaucoup, beaucoup plus importante. C'est faciliter l'accès à l'emploi. Aujourd'hui, effectivement, nous n'avons plus dans le monde économique aujourd'hui la place pour les gens non qualifiés, comme c'était le cas il y a une cinquantaine d'années avec la mécanisation agricole. Donc nous mettrons en place un forum des métiers emploi pour que les employeurs, comme les demandeurs d'emploi, puissent se rencontrer en un même lieu et mieux se connaître. Le salon de l'apprentissage, développer l'alternance, continuer la clause d'insertion qu'on n'a pas à instaurer, puisqu'elle existe dans les marchés publics de la ville, comme de l'intercom, depuis déjà 7 ans. Continuer les espaces chantiers, les chantiers écoles, suivre et épauler la mission locale, notamment pour permettre l'accès au logement des jeunes avec le comité local pour le logement autonome des jeunes, la chambre relais au foyer des jeunes travailleurs, la possibilité d'une subvention pour les jeunes pour obtenir le permis de conduire. Et puis également une politique d'investissement volontariste. Je rappelle qu'en investissant en 2 mandats 124 millions d'euros, ça a été donné la possibilité aux entreprises locales de pouvoir répondre aux appels d'offres et donc d'avoir du travail pendant plusieurs années, comme ça a été le cas à la SCA Normande, où une centaine d'employés ont travaillé pendant 2 années complètes pour permettre son agrandissement. Et puis en termes de fiscalité, je rebondis d'abord sur les propos d'Étienne Brasselet. Certes, les impôts dans le bas de la colonne, entre ce qu'on a payé une année et ce qu'on paye l'année
0 et l'année N-1, eh bien, évidemment, il y a une augmentation. Mais une augmentation due à quoi ou à qui ? À l'État, par son augmentation des bases, à la région qui augmente sa participation, au Conseil général qui a augmenté son taux d'imposition, mais le taux de la ville de Lisieux, je le répète, je l'assume, je le crie, je le sérène, c'est 0% en deux mandats. Il n'y a pas de fiscalité locale liée à la région. Étienne Brassier, vous voulez réagir ? Oui, je veux réagir, pas sur le dernier point, parce que c'est la Chambre régionale des comptes qu'il faut saisir dans ce cas-là. Donc, je n'y suis pour rien. Je constate comme chacun. Bien, ce que je voulais réagir quand même, parce que ça c'est sidérant ce qu'on entend. On entend M. le maire dire qu'il faut travailler ensemble. Enfin, ça fait 13 ans qu'il est là. Il est président de l'Intercom. Il a un adjoint qui est à côté, candidat ici, qui est aussi dirigeant de la CCI. Donc, je veux dire, depuis... oui, directeur de la CCI. Hein, donc, je veux dire que depuis quand même un certain nombre d'années, tous les leviers étaient en main. Donc, je dis, si ça n'a pas pu travailler ensemble pendant ces années-là, je ne vois pas pourquoi ça travaillera ensemble à partir d'avril prochain. Donc, sur l'emploi, globalement, c'est effectivement une priorité pour chacun. On l'a dit, hein, le taux de chômage très, très élevé sur le bassin. Mais en même temps, et c'est vrai que ça a été dit, c'est pas une compétence directe de la municipalité. C'est vrai que ça s'apprécie au niveau du bassin, d'un bassin d'emploi, de l'intercom notamment, mais d'un bassin d'emploi qui c'est plus large. Et il y a pourtant un certain nombre de leviers. Je pense que le premier élément, déjà, c'est de se battre pour éviter les fermetures. Si je reprends l'exemple de Saint-Gobain-Brasive ou Pizerol, on ne peut pas dire que la municipalité sortante ait été particulièrement sur le terrain. C'était quand même deux fleurons des entreprises locales avec des savoir-faire et d'ailleurs qui continuent par ailleurs. Et il y avait donc des possibilités en tout cas. Et je pense qu'une municipalité doit aussi se battre pour sauver l'existant, puisque M. Aubry dit qu'il faut faire durer l'existant. Mais en l'occurrence, ça n'a pas été fait. C'est le premier point. Donc se battre pour l'existant. Deuxièmement, en tant qu'employeur aussi, la municipalité et la ville est employeur, hein, plus de 400 agents. Il s'agit d'être un employeur exemplaire. Donc c'est un deuxième élément qui me semble important aussi, puisque les agents municipaux, c'est un atout, d'abord pour la mise en place des services publics à la population, et puis c'est en même temps un appui pour les élus. Hein, c'est un élément important du dispositif pour faire évoluer la politique municipale. Donc je pense qu'employeur exemplaire, ça veut dire la formation, la titularisation, pas n'importe comment, mais ça me semble un élément important aussi, hein, puisque c'est un employeur important de la municipalité. Autre point, je ne reviendrai pas dessus puisqu'on l'a évoqué sur le volet précédent, c'est tout ce qui concerne l'amélioration de l'attractivité. Parce qu'effectivement, une entreprise, pour l'attirer, il faut quand même qu'il y ait des conditions favorables pour cela. Donc je ne vais pas revenir là-dessus sur ce qui a pu être évoqué dans le point précédent. On pourrait ajouter le logement, le réseau des transports, la connexion entre les différents modes de transport, les équipements sportifs, culturels, de loisirs et les services publics et aménagements. Tout ça, c'est le volet attractivité, je n'en reviens pas dessus. Et puis le dernier point, c'est, ça a été évoqué tout à l'heure par Laurent Sudini et par Bernard Aubry aussi, c'est le fait de travailler ensemble. Donc je pense que dès avril, nous réunirons une table ronde publique urgence pour l'emploi à Lisieux, qui pourrait être le début d'un comité, on va dire, de suivi. Hein, ça semble important, effectivement, que sur le territoire, l'ensemble des élus et des partenaires qui interviennent dans le domaine de l'emploi puissent travailler ensemble pour développer les réponses possibles. Hein, c'est bien sûr chacun dans son domaine de compétences, chacun à son niveau de responsabilité, aussi bien le Conseil général, les élus de l'Intercom, le Conseil régional sur l'aspect, je pense, formation, notamment, hein, mais également la députée sur les aspects dispositifs nationaux, mais également les organisations syndicales, les représentants de la CCI, parce qu'effectivement, c'est l'ensemble de ces structures qui doivent concrètement et en concertation et en cohérence mettre en place un nouveau dispositif pour sauver l'existant et développer des activités nouvelles. Enfin sur le projet, c'était nous sommes favorables à un développement, je le disais, d'un autre modèle de développement. Et c'est vrai que toutes les structures type coopérative, tout ce qui est économie sociale et solidaire, nous sommes vraiment favorables à ce genre de structure qui s'inscrivent dans un autre modèle de développement. Éric Le Hérissier, oui. Pour terminer.
La question de l'emploi, elle vient maintenant dans le débat. Et en fait, quand on a parlé d'attractivité de la ville, on aurait dû commencer presque par ça. Puisque quand on dit que Lisieux a perdu 2000 habitants en 6 ans, j'allais presque dire c'est 2000 emplois qu'on a perdus. C'est-à-dire que les personnes qui sont parties, et nous on le voit au quotidien quand on est en porte-à-porte ou quand on rencontre les gens, qui est parti ? Ce sont les gens qui avaient du travail et qui l'ont perdu et qui ont dû aller ailleurs pour chercher un travail et pour continuer à vivre. Et donc là, on est vraiment face à un échec terrible sur une ville qui malheureusement a perdu des habitants, perdu de l'attractivité. Et quand on dit Lisieux, c'est pas seulement Lisieux, mais c'est la périphérie autour, puisque finalement on s'aperçoit que même les communes autour ont perdu des habitants parce que la ville n'attire plus, tout simplement parce que, j'allais dire, il n'y a pas d'emploi. Donc là, pour moi, il y a trois éléments très importants. Le premier, effectivement, il faut attirer de nouvelles entreprises. Alors, c'est vrai que ce n'est pas les élus qui décident comme ça, d'un claquement de doigts, de dire on va implanter une entreprise là. Par contre, les élus ont une vraie responsabilité. Il faut aller chasser le chef d'entreprise. Il faut vraiment aller le démarcher. Pas seulement sur des salons, parce que ça, je vais vous dire, vous avez les salons, on connaît ça, on est tous avec nos belles plaquettes. Généralement, ça se passe dans un endroit où il fait beau. Comme ça, les gens peuvent partir le week-end et y rester un peu plus longtemps. Non, le vrai souci, et moi, je le vois à la Chambre de commerce, 58% des implantations, et la plus récente d'ailleurs, Abby, vient de la région, 58% des implantations dans une commune viennent de la périphérie à 50 km à la ronde. Et donc, il faut aller chasser, il faut aller démarcher, il faut aller rencontrer ces entreprises, ces chefs d'entreprise, pour leur promotionner notre territoire, pour leur expliquer que nous avons des terrains, nous avons des bâtiments, nous avons des atouts pour ça. C'est vrai que Lisieux a aussi des faiblesses, et il faut aussi être un peu objectif, si nous avons autant de mal à attirer des entreprises, c'est parce qu'on reste totalement enclavé. Enfin, je veux dire, la 2x2 voie. Enfin, moi, j'ai souvenir, le titre du document de campagne Bernard Aubry 2008, ma priorité, la 2x2 voie. Oui, on est arrivé 6 ans plus tard, on a à peine la sortie d'autoroute et on n'a pas de 2x2 voie, c'est terminé. Et donc, on voit bien qu'on a un problème d'enclavement qui est fort. On n'aura pas non plus le TGV, donc il faut faire sans. Donc, ça veut dire qu'il va falloir développer nos atouts. On a créé une zone économique, elle reste désespérément vide ou elle se remplit petit à petit. Donc, il faut aller démarcher les entreprises, démarcher les chefs d'entreprise, aller les sensibiliser pour essayer de les attirer sur ce territoire. Ça, c'est la première des choses. Et donc, il faut travailler effectivement en équipe parce que sinon, on n'y arrivera pas. On l'a vu sur les 2 dernières implantations importantes qui ont eu lieu, dont la Chambre de commerce est à l'initiative avec l'ensemble des partenaires, enfin, je veux dire, la communauté de communes, la région, le département, que ce soit EuroCRM ou l'EDIA. À chaque fois, il a fallu démarcher en groupe pour arriver à attirer. Et on l'a obtenu à chaque fois parce qu'on avait une offre, pas seulement sur du terrain, pardon de le dire, mais le terrain ne suffit pas. Aujourd'hui, toutes les communes ou communautés de communes ont créé des zones. Le problème, on fleure à 80 hectares, pour l'évêque en a aussi. Pour attirer des entreprises, il faut aussi avoir des bâtiments. Si EuroCRM est venu, c'est parce qu'on avait une offre de bâtiment à lui faire et que le chef d'entreprise pouvait implanter son entreprise sous 6 mois avec un loyer moins important. Et là aussi, il ne faut pas faire d'angélisme. Les subventions qui sont obtenues de la part des collectivités, notamment du département et de la région en l'occurrence, ont permis de faire un loyer plus faible pour permettre à l'entreprise de venir s'implanter à Lisieux. Et donc là, on a un vrai travail de partenariat à faire et un vrai travail de démarchage, il faudra le faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est vis-à-vis de notre jeunesse et des personnes qui n'ont pas d'emploi à Lisieux. La ville doit devenir le premier interlocuteur de l'emploi. L'idée, ça n'est pas de remplacer Pôle emploi. Il y a déjà Pôle emploi, il y a les missions locales. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait à la ville un visage identifié de quelqu'un qui soit en charge de la formation et de l'emploi. Cet adjoint qui puisse être touché pour quand on a un problème de stage, quand on a un problème de boulot, quand on a un problème de formation, qu'on puisse avoir un visage ami. On parlait tout à l'heure de Pizerol. Moi, j'ai été touché par la détresse de ces personnels qui ont perdu leur emploi après 30 années. J'en ai un sur ma liste, et pour être clair, qui se sont sentis totalement abandonnés une fois qu'ils ont perdu leur travail. La mission locale n'est pas là pour ça, ils sont malheureusement trop âgés. Pôle emploi ne fait pas cet accompagnement. Et donc, on a besoin d'avoir parfois, ne serait-ce qu'un regard, quelqu'un qui vous accorde un rendez-vous pour vous dire sa détresse et pour vous donner un coup de main. La difficulté quand on recherche du travail, c'est d'avoir le premier entretien. Et donc, avoir un partenaire à la ville, un adjoint qui soit, le maire n'aura pas toujours le temps de le faire. Et c'est aussi pour ça que je dis qu'il faut un adjoint. Parce
Parce que recevoir les gens en 5 minutes, faire un joli courrier qu'on envoie à une entreprise pour dire « Madame Intel recherche du travail, je vous la recommande », ça ne marche pas comme ça. Il faut prendre le temps d'écouter les gens, d'essayer de voir comment on peut les orienter. La ville est un employeur important. Et moi, je voudrais que la ville emploie davantage de stagiaires, de jeunes, leur permettre de les insérer davantage. On a des métiers fabuleux. Une ville, c'est une entreprise avec des dizaines de métiers différents. On est tous parents, on a tous des enfants qui cherchent du travail. Et donc, avoir la possibilité de découvrir ces métiers demain pour chercher ensuite sa voie, ça me paraît fabuleux. Aujourd'hui, à part l'espace vert, les services techniques qui reçoivent un peu de stagiaires, on n'en a pas assez. Et donc, je veux que la ville soit le premier partenaire de l'emploi et de la formation. Le deuxième élément, c'est la formation. Ça a été dit par un certain nombre des candidats aussi. Je veux qu'on mette en place une école de la deuxième chance à Lisieux. Il y en a 20 en France, il n'y en a pas dans la Basse-Normandie. C'est l'opportunité de donner une formation qualifiante, pas un diplôme, parce que très souvent, les jeunes que nous avons à Lisieux, ou moins jeunes, n'ont pas les moyens d'avoir un diplôme ou sont sortis du système scolaire. Donc il faut leur donner une formation qui leur permette ensuite d'aller vers un travail. Le dernier élément, c'est le tourisme. Je veux le dire parce que Lisieux est une ville touristique et travailler sur la dimension touristique, c'est aussi créer des emplois qui ne sont pas délocalisables. Et avoir, une politique plus importante en matière touristique, c'est pour moi très important. Il y a 10 ans, il y avait 15 hôtels à Lisieux. Il en reste à peine la moitié aujourd'hui. On voit bien qu'on a perdu de l'attractivité touristique. Il faut travailler le partenariat avec le pèlerinage pour attirer plus de pèlerins et plus de touristes en centre-ville. Et donc là, il y a une offre à construire. Il faut avoir un centre-ville attractif. Il faut pouvoir offrir des choses à regarder, à visiter, à consommer. Donc tout ce travail, ça va permettre aussi de recréer de l'emploi très concrètement. Vous souhaitez apporter quelque chose ? Le RSI rejoint un peu notre programme en quelque sorte. La forme est différente, mais le contenu est le même si vous voulez. Il faut encore une fois que la mairie soit le premier partenaire des entreprises. Il faut que la mairie prenne le taureau par les cornes, comme j'ai pu le dire, parce que Pôle emploi ne peut pas apporter une personnalisation, tout comme la mission locale, à tout le monde. Et il faut que la mairie fasse ce qui reste à faire, c'est-à-dire que nous devons encourager les jeunes à se lancer. En l'occurrence, en offrant un recrutement personnalisé aux entreprises, mais aussi en offrant aux candidats également, leur offrir la chance de pouvoir rencontrer les professionnels qui vont peut-être les embaucher demain. Parce que à Pôle emploi, on va vous donner un rendez-vous, on va vous dire, bon ben voilà, il y a ça, allez voir monsieur, appelez-le. Alors que là, nous, grâce à une maison de l'entreprise pour l'emploi, on peut directement le gérer, on peut directement les faire se rencontrer ensemble, tout en ayant un représentant de la mairie qui va pouvoir discuter avec eux, qui va pouvoir prendre en compte les attentes de l'entreprise, mais aussi les attentes du salarié qui sont bien trop souvent mises de côté. Donc voilà, c'est nécessaire de mettre en place donc une maison d'entreprise pour l'emploi pour soutenir l'activité donc à la fois salariale mais aussi des entreprises. Vous souhaitez ajouter ? Oui, ce sont des questions difficiles. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut quand même faire attention à ce que l'on dit. Les problématiques d'attractivité, effectivement, il y a 6 ans, M. Aubryl, parmi ses propositions, il y avait la 2x2 voies Lisieux-Pont-l'Évêque. Parmi ses propositions, il y avait encore l'école de la deuxième chance. Là, on est 6 ans après, et donc vous avez des gens qui sont, y compris issus de la liste de M. Aubryl, qui repartent avec les mêmes propositions. Je pense que il faut comprendre là qu'il y a une espèce de miroir aux alouettes sur lequel il faut faire attention. Je pense que ce qui est sérieux de dire, quand on est candidat, c'est que la mairie, l'intercom, même si ce n'est pas sa compétence directe, doit se mettre au cœur du dispositif sur l'emploi, parce que notre population souffre et elle a besoin d'acteurs qui se mobilisent sur la question de l'emploi et qui fassent, en quelque sorte, interface. C'est vrai qu'on a eu des sinistres industriels très importants pendant le mandat écoulé. C'est vrai qu'il y a eu ce sentiment d'une mairie, puisque c'était la mairie qu'on interpellait absente, notamment lors des fermetures de Saint-Gobain et de Plisorol. C'est vrai que ce que nous souhaitons créer, c'est une municipalité qui soit davantage présente aux côtés des entreprises pour assurer et consolider leur développement. Donc ça, c'est tout ce que l'on peut, ensemble, avec l'ensemble des acteurs, construire comme potentialité de soutien pour favoriser leur développement, et puis être aussi dans ce qu'on appelle le défensif, amortir les chocs,
prévenir les difficultés, assurer les formations nécessaires, assurer les compléments nécessaires en matière d'accompagnement qui font qu'une entreprise peut être aidée quand elle est confrontée à des difficultés et qu'elle a besoin d'être accompagnée. Il y a eu à Lisieux ces dernières années des entreprises qui ont été confrontées à des difficultés et qui ont été aidées, soutenues, moi je le sais à la région parce que j'y ai participé en tant que vice-président en développement économique, qui ont été accompagnées et soutenues et qui ont pu rebondir. Donc c'est ce travail-là dans lequel la mairie doit être davantage présente encore pour bien défendre et bien valoriser le potentiel économique de son territoire. Qu'avez-vous à répondre, Bernard Aubry, à cela? Oui. Merci de me redonner la parole. Ça fait deux reprises, M. Sodini et M. Le Hérissi me disent que nous étions absents au niveau des difficultés de Saint-Gobain et de Pizerolles. Évidemment, c'était sous un autre gouvernement, et M. Sodini, M. Brasselet, tout le monde était dans la rue. Mais alors, je retourne le reproche. Il y a quelques petites semaines, quand il a été question des difficultés de Sanofi, dans l'ère d'un nouveau gouvernement, alors là, il y avait quand même beaucoup moins d'empressement des gens de la sensibilité de M. Sodini et de M. Brasselet pour venir nous épauler. Là, nous étions un peu seuls quand même au point de vue de la mobilisation. Alors ensuite, au niveau de la formation, je répète, je rappelle que la formation, c'est du ressort de l'éducation nationale et du conseil régional, que donc M. Todini, qui est vice-président en charge du développement économique à la région, doit pouvoir à un moment donné, si c'est sa compétence, intervenir pour les formations sur notre territoire. Au niveau de la 2x2 voies dont parle Éric Le Hérissi, ce n'est aujourd'hui Lisieux, Pont-l'Évêque, ça coûte 120 millions d'euros. La région, Conseil régional de Basse-Normandie, ne participe pas à aucun projet routier dans le département du Calvados, alors qu'il participe dans la Manche et qu'il participe dans l'Orne. Donc le département doit faire tout seul, et devant la difficulté financière ou les difficultés financières, il n'a pas les capacités de réaliser aujourd'hui cette 2x2 voies. L'échangeur de Pont-l'Évêque, là je vais m'amuser. Je n'ai pas l'habitude de la politique politicienne, mais là j'ai un exemple gratiné. Le 15 juin 2012, avant les élections législatives, une réunion se tient sur site avec le président de la CCI, le président du groupement des industriels l'Exovien, le sous-préfet, les élus de Lisieux, de l'Intercom, du Conseil général, et tout le monde dit les deux giratoires, l'un pour sortir de l'autoroute, l'autre pour rentrer sur l'autoroute en direction de Lisieux, c'est une aberration, c'est du gaspillage d'argent public, ça ne sert à rien. Il n'y a rien de plus dangereux pour un poids lourd d'avoir deux giratoires. Et donc, il faut dire non. On repart, on dit non, il faut trouver une autre solution. Arrive le 19 octobre, nouveau député, nouveau préfet, nouveau sous-préfet, mais les mêmes interlocuteurs. Conseil général, conseil régional et les élus de Pont-l'Évêque et de Lisieux. Et là, miracle, sans changer quoi que ce soit au projet, tout le monde dit « formidable, qu'est-ce qu'elle a fait comme boulot notre députée ? Elle arrange notre échangeur, merci monsieur le préfet, merci monsieur le sous-préfet, merci madame la députée, les autres n'ont pas su le faire ». J'appelle ça de la politique politicienne, j'appelle ça se fiche du monde, parce que c'est vraiment prendre les contribuables, prendre les habitants de notre bassin de vie, vraiment pour des ignares, pour des gens qui ne comprennent pas ces manipulations intellectuelles qui sont des manipulations d'ordre politique. Vous souhaitez réagir, Éric Hérissi ? Je ne sais pas si on réécrit l'histoire ou pas, mais l'important, ce n'est pas tellement de savoir qui a changé d'avis ou pas sur le sujet. C'est, la vraie question, c'est pourquoi on n'a pas eu cette sortie ? Et là, c'est vraiment le vrai sujet. C'est-à-dire, pourquoi au moment où de l'enquête publique sur le réaménagement de l'autoroute, la sortie Lisieux a été oubliée. Là, il y a un vrai sujet. Et là, pour le coup, je pense que les personnes que vous citez là n'étaient pas présentes. Et quelque part, là, il y a eu défaut de conseil, il y a eu probablement défaut d'attention, parce que la sortie de l'autoroute a bien été oubliée et Lisieux s'est trouvé pénalisé. Donc là, il y a un vrai sujet. Alors après, on peut réécrire l'histoire comme on veut. Le problème, c'est qu'à un moment donné, les personnes qui étaient en responsabilité, n'ont pas été présentes quand il fallait défendre cette sortie. Ah, Étienne Brasselet, puis ensuite on passe à la sécurité. Deux choses par rapport à
à la sortie pour l'évêque, mais c'est vrai, j'en retiens un élément général par rapport à ce qui apparaît des fois dans les campagnes électorales et qui sont des fois juste des catalogues de promesses sans lien, c'est-à-dire sans réflexion globale sur le projet et sans concertation avec l'ensemble des partenaires. C'est souvent comme ça que ça se termine, c'est-à-dire que ça ne débouche pas. Et je voulais juste réagir sur Sanofi, parce que sur Sanofi, nous, on a choisi d'être aux côtés des salariés et des travailleurs. Hein. Or, en l'occurrence, pour Sanofi, le problème du Doliprane, c'est pas qu'il passe en générique. Moi, je trouve ça très bien si ça coûte moins cher aux gens qui ont du mal à acheter leurs médicaments et à se soigner. Le problème, en l'occurrence, de Sanofi, c'est la gestion par l'entreprise du site, c'est-à-dire avoir une production unique. Donc le problème, c'est exiger de l'entreprise une diversification des productions, l'orientation vers d'autres domaines. Donc dans ce sens-là, sans doute qu'effectivement, on n'a pas réagi ou manifesté pour la même chose. Ça, c'est possible, mais c'est même certain. Mais en tout cas, on a été aux côtés des salariés.